allons vers notre destinée. Mine abandonnée. Avec une musique assez dépressive. Pas comme la zone juste après. Je me rappelle plus si il y a... doit y avoir un boss là-dedans. Ah oui, si, 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 un boss. D'ailleurs, juste là, je crois. Oui, je confirme. Là, il y a un boss. Donc. Ah non, ça régénère. Merde. Par contre, ça, ça te régénère pas, copain. Aïe. Ça, ça fait mal. Ah, j'aurais dû mettre mon bouclier. Ah zut! Merde. Bon, c'était pas... c'était pas trop la joie, là, ce combat. Alors par là, si je dis pas de bêtises, c'est un téléporteur, oui, un warp, fantastique. Hop, là c'est normal, c'est... qu'est-ce qu'il y a par là déjà? En fait, je crois que c'est... Ah si. Ah oui, c'est pour faire progresser. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un familier, donc c'est le... notre ami, le familier démon. Et d'ailleurs, les familiers, ils ont un niveau d'expérience. Donc, vous voyez, le fantôme est niveau 6. Non, relique. Carte démon. Et le voilà, notre ami le démon. Allez, attaque. Rends-toi utile. Hop, Nunchaku. Et en fait, le démon, il sert à quelque chose quand même. Non, je passe à moi. Je... mon couteau. Hop. Oups. Il a quand même des sacrés réflexes à Lucas. Hop. Ah. A switch. Oh, un interrupteur. Si j'appuyais dessus et je voyais ce qui se passait. Merci. Donc en fait, il sert à ça. Il sert à appuyer sur les interrupteurs. C'est à peu près tout. Hop. Des petites plantes. Celle-là, elle pousse beaucoup trop vite. Oups. Voilà. À coup de lancer de couteau. Et... ah, juste pour la Nodares? Non, y a pas un... si. Oh, c'est tellement... ah, oh, le double piège. Des cacahuètes. T'es à l'orge. Un pouvoir aïeul. Pouvoir de mon papa. Le mon petit papa. Papa vampire. Hop, on passe l'air de rien. Aïe.
redescends. C'est pour ça que j'aime bien aussi le Nunchaku, c'est parce qu'il attaque plusieurs fois sur une attaque. Et donc continuons à descendre dans les limbes. Aïe, tu fais mal. Un shiitake. Qu'est-ce qu'il man? Soul Silmal. Voilà, non, t'auras pas le temps de me faire ton super. Ton super pouvoir. Oh oui! Oh le poignard! Il est trop bien le poignard. 52, mais c'est. Enfin, c'est trop puissant, mon bouclier de héros. Avec le petit cœur en bas. Donc c'est comme le Basilar qu'on avait au début, mais en tellement plus long. Ah tiens, c'est marrant ça. En fait, si je bouge pas, ça fait ça. Si j'avance en même temps... C'est sympa, ça veut dire que j'ai toute la portée du truc. Putain, il y avait moyen de faire des... ouais, ça sera utile. Voilà, donc on arrive dans une super musique, dans une super zone avec une super musique, comme d'habitude. Un collier, une pierre de sang. Et la capacité à guérir par le sang. Ah oui, ça c'est sympathique. Hop, allez. Pour le fun, on sauvegarde. Voilà. Je vais faire un petit timer parce qu'on va en profiter pour finir la première moitié du jeu. Voilà. Et donc salut Twitch, salut YouTube, c'est Descatapoil. Et on continue sur Castlevania Symphony of the Night. Et on est dans je ne sais plus quelle zone. Voilà, j'ai déjà... Ouais, des squelettes garous. Avec un cou qui s'allonge, on dirait des girafes. Alors lui, hop, technique. Technique de PGM. Ouais, c'est ça. Enfuis-toi. En fait, lui, il fait une sorte de gros laser. On est dans le cimetière. Normalement. Et donc, si je dis pas de bêtises, en fait, normalement, il y a un objet à droite qui nous intéresse, mais on peut pas encore le récupérer. On peut pas le récupérer. Parce que il y a des pics, il y en a besoin de quelque chose pour passer les pics. Et justement, ce qui est marrant, c'est que l'objet derrière, il nous sert à passer les pics. Aïe. Non, c'est comme ça qu'on fait le feu. Et voilà, 50$. Oh les petits vieux. Hop. Oups. Bon. Volons un peu plus haut. Oui, un loup de balle. Ah, c'est la... C'est le Ice Brand. Une épée qui fait... En fait, les trois brands, les trois tisons, comme ils disent. Aïe. Les trois tisons, ils ont la particularité d'avoir une technique spéciale. Ah non ! Bon, c'est pas grave. J'avais déjà, de toute façon.
Y'a pas de sauvegarde bientôt? Si. La salle qui ne sert à rien. Mais non, il est pas mort. Ah voilà, salle de sauvegarde. Avec un petit passage à droite. Armure de marche. Ah oui, ça c'est bien. Ça elle est bien cette armure là. Je l'aime beaucoup. Parce que au fur et à mesure qu'on explore la carte, ça augmente la défense. Et en fait, à la fin, c'est juste l'armure la plus puissante. Puisque... Allez, on va rendre visite à notre ami le boss. Boss très intéressant, s'il en est. Puisque c'est une grosse montagne de cadavres. Hop, on passe. Et là. Hop, on fait des petits Hellfire. C'est assez immonde en effet. On peut aussi faire un Soul Steel qui fait pas mal de dégâts. Mince, zut. Je suis raté dans mon Hellfire. Je vais faire mes grosses boules noires comme ça là. Hop. Bon, faut arrêter de faire pleuvoir des corps qui brûlent quand on les touche. C'est le boss Michael Bay quoi. C'est limite s'ils explosent pas. Et en fait voilà. Au bout d'un moment, il y a les tentacules qui apparaissent. Et le cœur du boss aussi d'ailleurs, par la même occasion. Et qui balance des gros rayons laser. Et pour faire apparaître son cœur. Et voilà. Avec la musique qui bug bien. Je sais pas si c'est vraiment le jeu parce que... Je... Bah si c'est... Il connecte le pied, mais en fait il y a un petit décalage. Vous l'entendez peut-être pas parce que vous n'avez pas l'habitude du jeu. Il y a un léger décalage, le fait de streamer sur le PC. Mais juste audio. Parce que niveau vidéo, ça répond très bien. Quoi, c'est tout? C'est une blague? Mais je peux pas... Ah putain... Pardon. Je sais... J'ai pas... Oh là là... Oh là 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 là... Mais je... J'ai honte, j'ai honte. Je vais pas dans les... Dans les zones de l'ordre qu'il faut que j'aille. Essayons de tricher. Qu'est-ce qu'elle nous fait la mort McGill? Mort McGill. Moi ouais, je préfère mon petit couteau quand même. Voilà, hop. Ne faites pas attention à moi. Hop.
Ah mais j'ai plus de mana. Ah oui. Et c'est là que ça peut se révéler utile. Voilà, en fait, ça le problème c'est qu'il y a une salle complètement dans le noir. On va attendre de régénérer un peu de vie, on va tester une solution. Donc en fait soit on meurt, soit c'est la victoire. Parce qu'en fait, normalement, avec la chaussure, on peut avoir un pouvoir qui permet de justement de passer là. Et on ne l'a pas, et je vois où il est. Et en fait, il est dans la grande zone sur la partie supérieure qui est vide à côté de la bibliothèque. Donc là, j'attends en fait que ma barre de mana se régénère. Et donc, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des pics partout. Et si on se fait toucher en étant transformé, on prend beaucoup de dégâts et on perd la transformation. Donc c'est cool. Alors que en brume, en fait, on ne craint rien. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu labyrinthique. Et en fait, j'ai juste peur de pas avoir assez de mana. Mais normalement, vu que j'ai le pouvoir de la brume qui permet de rester plus longtemps en forme de brume et qui consomme moins de mana, j'ai bon espoir d'arriver jusqu'à la fin. Si je ne me perds pas. Voilà. Donc je n'ai... Oh! 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 Oh mais c'est... Oh ce PGM! Oh je m'aime. Et donc vous voyez, en fait je suis passé là-dedans. Donc coup de bol. Normalement faut pas passer comme ça. Hein. En fait l'intérêt c'est que la pièce elle est dans le noir aussi. Fais-moi le mal. Hein. Et donc là, on va récupérer. Et ça, en fait, le fait d'avoir récupéré ça maintenant, ça veut dire que je serai pas obligé d'affronter un des boss. On peut skipper un boss. C'est génial. On vient de hacker le jeu. Complètement. Et donc là, on a la brise-pointe. C'est une armure. Donc il est pas... qui est quand même pas mal, hein, niveau armure, mais qui présente surtout une superbe qualité. Allez, le squat girafe. D'ailleurs, je sais ce qu'on va faire en fait. Voilà. Merci. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai mon armure, ah, bah, tous les trucs. Donc en fait, faut juste pas... En fait, c'est juste là où fallait pas que je me plante et je me suis pas planté. Pareil là. C'est un coup de bol parce que je me rappelais plus de la... Heureux GameX13 21. Donc maintenant qu'on a ça, on peut... J'ai même pas faire Horlox, ce qui est...
Quoique. Aïe. J'ai fait un bout du. Aïe. Et puis je sais même pas le voir pour aller. Bah un petit peu, ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de gens qui me regardent. Mais j'aimerais bien que les gens aussi découvrent des. Merde. Des monuments du jeu vidéo. Mais du coup, je pense que je vais quand même devoir équilibrer entre des jeux un peu plus grand public. On m'a déjà fait cette remarque d'ailleurs. De devoir. Quoi le plus rapide? Ah, c'est là-haut. On m'a déjà fait la remarque de. Justement, de faire. Des jeux plus grand public comme Call of, un petit peu de multi. Moi j'avais envie de me prendre Overwatch, mais. Les gens ils aiment pas trop. Bah ouais, c'est ça. Merde. Hop. Beau. Hop. Oups. Ah ouais, tu joues à quoi comme comme jeu? Ah bah ouais, c'est vrai que c'est des. Mais bon, moi en fait, je préfère jouer pour le plaisir aussi de jouer. Donc en fait, avoir plus de viewers, c'est cool, mais c'est important aussi de prendre du plaisir à faire ça. Alors, est-ce que j'ai trouvé Richter? Oui, je l'ai trouvé. Il m'a un peu agressé, hein. Ici. C'était le seigneur de ce château. Mais c'est pas possible! Il était gentil. Ah ouais? Mais comment que ça se fait que tu joues à cette heure-là? Parce que moi je pourrais pas. Moi j'allais me coucher en fait à un moment. Je travaille en sur des horaires de bureau. Enfin, ce qui est donc. C'est bon. Et t'as du monde quand même entre 4h et 6h du matin? Et donc maintenant qu'on a ça. Et donc elle nous a donné. Ah ouais, quand même. Ah, oh, ça c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je cherchais? Donc j'ai mon anneau d'argent, mon anneau d'or, c'est cool. Donc je peux aller faire. Ah mais forcément, je crois que j'ai pas débrouillé le truc.
Eh ben non. Ah bah non, puisque je suis pas passé par là. Petit peu pénible. Pas grave, je vais passer par en dessous. Je vais couper. À travers champ. C'est vrai. Après, voilà, je fais pas non plus ça pour en vivre. Je sais pas dépasser trop de temps. En fait, je rajoute juste le stream parce qu'il y a certains gens qui aiment bien. Et puis j'aime bien faire découvrir aussi justement les jeux aux personnes, mais du coup si je pense que je vais faire ça quand même, rajouter des jeux un peu plus grand public pour piéger les gens pour qu'ils viennent. Hop. Alors. Il y a un passage secret ici. Je ne sais plus où. Ah, il doit être là. Ouais, il est là. Ah, balèze. Ah, moi, je suis connu dans ma boîte, hein, juste. Parce que j'ai sous le tous à venir voir. Allez donc, hop, on va passer par là. Aïe. Ouais, ça glisse. On va sauvegarder. Coup, attends, allez sur. Les Dishonored là, c'est ils ont pas été. Ouf. Il est tombé très vite lui. Ah, c'est sympa. C'est pas mal en effet. Merde, je vais pas me téléporter, moi. On est parti pour un tour. Alors ce qui est marrant c'est que le démon en fait il suit, hop. Ah, je suis dans le centre de la France. On va quand même aller voir notre ami Orlox. Peut-être récupérer les pouvoirs qui nous manquent. Dark Métamorphose, allez, hop, c'est parti. Voilà, parce qu'on a des pouvoirs. Pas trop trop. Je m'y intéresse un peu de loin, mais pas plus que ça. Je joue un peu à FIFA, mais je suis un peu. Je suis pas très bon. Hein. Je perds tout le temps en général.
Ah, c'est bon. Non. Casque, tu ne veux pas. Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas gentil, casque? Hop. Ah, voilà. Non, il voulait plus sortir de son. Comment ça, je suis sérieux? Ouais, non, je suis pas très bon, moi, à FIFA. Oh là là, les chevaux. Hop. Ah! Ah, zut. Je vais pas ça, moi. Bah oui, je comprends bien. Mais pas moi. Hé. Hey. Mais chacun ses passions en fait. Hein. Y a pas de. Ouais, c'est ça, Rolox. Allez, tiens. Meurs. S'invoquer. Ça transforme toi. Oui, oh, ça va. On sait que tu fais la comédie, toi. Ah, ça fait pas mal du tout, ça. Ah putain, là. Merde. Putain, je suis comme de la merde. Hein. Hop. Raté. Allez. Bon, au final, on l'a quand même fait. Oui, c'est ça. Moi, à la base, c'est Castlevania. Et voilà. Et donc là, le pouvoir de chauve-souris qui permet d'éclairer dans le noir. Mais qu'on n'a pas eu besoin, puisque. Je le rappelle. On est passé direct. C'est bien ça. Ah, moi c'est. Faut que je joue, hein. Mais du coup, s'il neige, ça me dérange pas. Hein. Bénite en fait. Alors pourquoi je voulais passer par là déjà? Parce que. Voilà. Parce que ça. Parce que on veut. Notre ami. Oh, je vais pas tarder, moi, en fait. Je finis la première partie. La carte épée, voilà, c'est ça que je voulais. Et il me manque la carte chauve-souris. On va ouvrir le passage là et on va retourner à l'autre endroit.
Normalement, j'aurais déjà couché depuis pas mal de temps. Hop. Donc là. En fait, on aurait déjà pu le faire avant. Je voulais juste récupérer quelques petits pouvoirs. Mais on va récupérer l'item qui va tout changer dans notre combat contre Richter qu'on avait déjà gagné, je rappelle. Ah bah non, j'ai pas besoin parce que j'ai au milieu. En cours. Oh là. Heureusement qu'il m'en a mis l'épée. Ah, et d'ailleurs, j'ai. Normalement, j'ai un pouvoir avec lui. Avec mon nouveau familier. Ah, bah oui, normal. Et tu vas jouer à quoi? Attends. Ouais, si, c'est bien ça. C'est bien le pouvoir. Et donc avec ça, on va pouvoir faire un super glitch. Ouais, juste que je révise le glitch. Que je me foire pas, ce serait dommage. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Anneau d'argent, il nous anneau d'or. Et voilà. Oh, qu'est-ce qu'il se passe-t-il? Ah ouais, ça fait mal. Ah bah ouais, il faudrait que je me l'achète aussi. Hop. Oui, ça fait toujours du bien. Hop. Ah, Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais là déjà? Comment t'as fait pour arriver là alors que je viens d'ouvrir le passage? Ah oui, il a rejoint l'ennemi. D'ailleurs, c'est une salle un peu bizarre. On pensait qu'il y aurait un boss. Eh ben non. Oh, on peut pas le blesser. Ah bah, j'ai déjà battu hein, tout à l'heure. On doit l'arrêter. Ah, je sais. Et pourquoi tu me les as pas donnés dès le début? Au revoir Maria. Non, je peux pas la tuer. C'est dommage. Hop. Ah d'accord. Ah c'est pas mal. Sympa de jouer avec ces viewers, ça.
Hop. Donc en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On peut voir par-delà les illusions. Donc on va voir qu'est-ce qui se cache derrière le comportement mystérieux de Richter. Le Richter Belmont. Aïe. 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 Ah, oh, c'est parce que c'est l'heure. Puis y a pas beaucoup de gens, mais après y a pas mal de gens qui regardent les VOD aussi. Hein. Enfin, pas mal. Peu. Mais y a pas mal de gens qui me découvrent justement par la VOD. Vu que je fais souvent des let's play, y a les playlists qui sont intégralement sur YouTube si tu veux. Alors. Et tout à l'heure, il y avait quelques personnes, parce que j'ai réussi à rameuter des gens. Donc ça fait un peu plaisir. Ouais, c'est là. Porte du lion. Donc, on va rééquiper notre pierre de lune. Et notre pierre de sang. Et là, ce qu'il faut... Oh, les lunettes sacrées. Ah, c'est gentil. Je pense que je vais m'abonner à ton stream aussi. Si t'as des VOD, n'hésite pas. Et voilà. Donc la dernière fois, on l'avait affronté. Blablabla. Bla bla bla. Oh, c'est pour pouvoir commencer jusqu'à la fin des temps. Voilà, ça c'est du bullshit. Et non, ce n'est pas sans. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette petite boule qui flotte? Attaquons la petite boule qui flotte. Putain, il fait... Merde. Il est en train de me brain. Ah. Oh, c'était Shaft. Shaft. Ah mais je m'abonnerai quand même pour voir... si jamais je tombe sur un like. Ça peut être sympa. Ça me filera quelques leçons. Ah. Et donc Shaft contrôlé, Richter. Qu'est-ce que je fais? Thank you, Alucard, for saving Richter. Alucard? The same Alucard who fought alongside my ancestors. Mais pourquoi Maria tu parles et on ne voit pas? Ah mais... C'est un peu relou ça. Non mais Maria elle est pas là. Là je pense que c'est un gros bug. Sympa de penser à moi. Mais je vais pas regarder là maintenant mais on sait jamais si un jour... Non je vais pas dormir 4 heures, t'inquiète pas. 7 heures. Et non, voilà. Et mais du coup, voilà, j'oublie de raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Richter a retrouvé ses esprits. Et on est arrivé dans un endroit. Et. Mais c'est la même salle du trône, mais à l'envers. On est dans la même zone, mais à l'envers. Se pourrait-il que. Nous soyons dans le même château.
à l'envers. Eh ben oui, c'est exactement ça. Et donc, il va tout falloir refaire. Sachant que le but est un peu différent dans le château inversé. C'est qu'il faut simplement qu'on trouve les 5 artefacts de Dracula. Et en plus, allez, les bonus, allez. Allez bien cette salle. Avec une épée bâtarde. Alors le truc rigolo, c'est que j'ai toujours mes cartes de bibliothèque, et les cartes de bibliothèque qui ramènent à la bibliothèque, comme son nom indique. Si on est dans le château inversé, ça ramène quand même à la bibliothèque normale. Celle du château à l'endroit. Ah mais, manette. C'est super pénible. Hein. Je sais pas si c'est... C'est à quoi d'avoir une manette hors de prix si elle déconne à ce point-là. C'est assez pénible. Et en fait, je la branche pas sur le... Je pourrais la brancher sur le PC pour jouer en streaming. Mais le problème... c'est qu'il faut cliquer. Fais gaffe parce que... La chambre est attachée à la chambre de mes parents, donc... Peut-être que je vais faire un pas... Ah oui. Je comprends. Je comprends. Donc voilà. On a fait la première partie. Bah, la première moitié du jeu. Donc maintenant, en fait, on a tout le château à refaire à l'envers. Donc ça sera pour une prochaine fois. Je vais vous montrer le chemin à suivre pour trouver les armes les plus cheatées du jeu, d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez cheatées, les armes, après, qu'on trouve. Voilà, mais ils sont... En plus, la manette, elle déconne. Je pensais vraiment temps de finir. Donc voilà. Ah bah oui, mais moi aussi, je rage pas mal. Là, ça va, parce que je connais le jeu, donc je rage pas. Donc voilà, c'est la fin. C'était la vraie première partie de Castlevania Symphony of the Night. Si ça se fait striker sur Twitch, et bah c'est pas grave, puisque j'ai enregistré en local. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, bah, portez-vous bien, jouez pas trop, des bisous, et merci d'être resté jusqu'à la fin, et bon live. Allez, ciao tout le monde.